moi c'est Selena. Je suis apprentie aide en soins et accompagnement en deuxième année. Je travaille à l'hôpital de Beauséjour en service médecine interne de réhabilitation. Et là, je vais vous présenter mon lieu d'apprentissage. C'est parti! Madame, vous arrivez à vous asseoir? Ah, ça y est! Super! Oui, mais je vous laisse mettre les pieds sur la balance. Je vais regarder votre poids. Et vous faites 58,950 grammes. Ah, c'est formidable. Voilà. Je vais le noter sur votre dossier. Voilà. Et vous pouvez vous rasseoir, madame. Merci. Alors voilà. Donc tous les matins, je prends la pesée des patients avant le petit déjeuner et je les enregistre sur le DPI, le dossier patient informatisé, pour que les médecins puissent avoir les données de la pesée du matin. Et là, je vais vous présenter un soin et je vais aller bander les jambes d'une patiente. Voilà, alors là, je suis en train de bander les jambes de madame pour pouvoir avoir un meilleur retour sanguin. Le but des bandes, en fait, c'est d'avoir une compression au niveau des veines pour que le flux sanguin soit plus rapide. Des patients par rapport à leur régime, car ils ont un régime alimentaire qui est donné par les médecins, prescription médicale, et nous faisons les choix avec eux pour qu'ils puissent choisir leur repas par rapport à leurs désirs et leurs habitudes. Je viens de finir de faire le lit avec ma collègue. Je passe un dernier coup sur la table de désinfectant et m'assure que le patient est bien tout à disposition de ses affaires personnelles, à boire. Je vérifie une dernière fois que tout est bon et je prends le linge sale. Voilà, merci de m'avoir suivi sur le lieu de mon apprentissage. Je vous invite à regarder les vidéos de mes autres collègues apprentis sur le Snap des HUG et à nous retrouver à la Cité des métiers de Palexpo. Merci!